Salut les kikis! Alors aujourd'hui, un petit épisode en avance. Ça vous aura fait deux épisodes de New Challenge cette semaine. C'est une chose que je ne referai pas, je pense, sauf si j'ai des annonces à faire, mais autant d'habitude, je vous fais une vidéo news pour ça. Autant aujourd'hui, j'avais envie d'avancer sur un New Challenge, donc je vais faire les deux en même temps. Il faut que je continue le terraforming, je viens de voir. Il y a encore des endroits où j'ai pas de neige sur les côtés et ça me stresse. Vous voyez, tout là, j'ai rajouté des blocs de neige en fait, pour pas qu'on voit le sable. Désolé. Donc on va avancer un petit peu aujourd'hui sur New Challenge. En même temps, on va aborder toutes les petites choses dont je voulais vous parler cette semaine avant la JAPEX. Parce que je vais à la JAPEX. Attendez, faut absolument que je tousse. Je suis désolée, je coupe, je reviens. Voilà, désolée. Alors parce que j'ai fait une soirée en fait hier avec des amis et j'ai un peu abusé sur la cigarette, ne fumez pas, c'est mal. Voilà. Donc, on va regarder déjà où on en est. Vous allez voir, ça a pas mal bougé. Alors lui, ma fille, il a... Ok, il y a des choses qu'il faut que je jette parce que je suis pas censée les avoir. C'est parce que j'ai montré, enfin, j'ai fait un épisode pour montrer l'avancement de la ferme à faire. Et j'ai récupéré des trucs dans mon inventaire dont j'en ai absolument rien à foutre et dont je n'ai pas besoin. Voilà. J'ai un bloc de glace qui est tout seul. Ah non, c'est de la ice. Ok, c'est pas de la ice pact. Oh là là. Je suis désolée, il y a 2 secondes, je coupais le micro pour pas vous tousser dans les oreilles. Et là, qu'est-ce que je fais? Je tousse. Voilà, c'est super. Donc. Alors, où que c'est qu'on en est? On avait bien avancé. Je ne me rappelle plus si je vous avais montré... la finalité. On va passer par l'escalier aujourd'hui. Là, il y a un petit truc qui me gêne. Je vais essayer d'étendre les... En tournant comme ça, d'étendre la rambarde. Parce que quand on arrive de face dans les escaliers, je trouve que les deux blocs pleins comme ça fait un peu... Ouais, faut remarque. Enfin, faudrait au moins que j'arrive à faire quelque chose là, là. Que là et là. En avant. En avant, on passe par les escaliers. On a... Le grand balcon, ça glisse, c'est rigolo. Et là, on a donc la fontaine. Mais la fontaine, j'ai essayé de mettre de l'eau dedans. Je trouve que c'est très moche, donc je ne vais pas le faire. Les escaliers. Et vous allez voir qu'une fois arrivé là, hop, on a la super fontaine qui monte un peu trop et qui gêne la vue, mais bon. Au moins, il y a de la transparence, on arrive à voir à travers qu'il y a une super porte derrière. Et on a les piliers. Donc les piliers, je les ai faits en neige, en vert bleu, et avec de la glowstone pour apporter de la lumière quand même. Un petit peu, hein. Après, le souci étant pour moi, j'arrive pas à me décider sur des piliers en neige ou en packed ice. Et le problème, c'est qu'en packed ice, je trouve que ça fait beaucoup de packed ice. Il y en a déjà plein les murs, plein le sol. Et j'essaye de varier avec du vert coloré. Vous allez voir à l'étage, je vais essayer de changer avec un autre vert coloré. Elle a neigé, c'est super. Et du coup, voilà. On a quand même pas mal avant. Merde! Crudy! On a quand même pas mal avancé. Pas mal avancé. Je suis encore en créa. Désolée, c'était pour vous montrer aussi les choses un peu plus vite. Puis surtout que je viens de me taper la moitié du serveur à courir parce que j'ai pas pris mon carnet avec mes avec mes coordonnées, donc je me TP pas en ce moment. Tout simplement parce que j'ai la flemme d'aller le chercher. Voilà. Je préfère me taper la moitié du serveur en volant et en courant dans tous les sens que d'aller chercher mon carnet. Donc je vous montre, à chaque fois j'utilise le même endroit pour avoir une vue d'ensemble. Voilà. Ça commence à avoir de la gueule, je trouve. Après, le souci, c'est que j'ai créé mon escalier sans penser que derrière là, ici, derrière cet escalier-là, ici, c'est ouvert. Et on a un autre escalier qui monte à l'étage, comme ça, en colimaçon aussi. Voilà. Donc, il va falloir que soit je fasse un escalier beaucoup plus fin que ce que je pensais faire, soit que je triche et que je le fasse dépasser un peu là, mais bon, c'est pas le but. J'ai pas envie de faire un truc moche.
Pourquoi j'ai de la pad thaï ici? J'ai fait. Mais. Mais. Ok, bon, on verra ça plus tard. Voilà. Donc là, on va essayer d'avancer un petit peu sur cette histoire d'escalier. Tout en papotant. Voilà. Donc il faut que j'arrive à vous faire un truc propre. En trichant. En trichant. Et après, le flocon là, j'hésite toujours à le garder. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Sinon, je ferai peut-être un pattern de couleur, histoire de changer un peu. Je me demande même si je vais pas changer le sol, mais c'est vrai que ça va enlever le côté un peu patinoire, quoi. Enfin, je veux dire, on est quand même dans l'univers de Frozen. Le château est normalement entièrement constitué de glace. Et j'ai peur que si j'utilise un autre matériau, ce soit pas suffisamment RP. Donc à voir. Voilà. Donc je vais avancer un petit peu et je vous reprends en papotant de choses dont je voulais discuter avec vous. Voilà. Ou tout du moins vous tenir au courant, quoi. Bref, à tout de suite. Bon, alors, j'ai regardé mes petits plans. Et ce qui va se passer, c'est que ici, entre ce pilier et ce pilier, là, la rambarde, elle est ouverte. Et qu'on a comme une espèce de porte de glace très transparente. Et derrière, l'escalier qui monte comme ça, qui tourne autour de ce pilier-là, et qui monte à l'étage ici. Voilà. Donc, je voulais faire, si vous voulez, les renforts en ogive croisée, comme ça. Entre les piliers, mais il faut que j'ai le sol au-dessus pour pouvoir le positionner correctement. Et là, je vais me rendre compte qu'il y a un truc qui m'embête. J'ai un truc qui m'embête. Ouais. On va changer de game mode parce que j'ai pas envie de perdre du matos parce que j'ai posé des trucs en trop. Hop, voilà. Et hop. Mieux déjà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il va nous falloir beaucoup de verre, je pense. J'avais pensé aussi peut-être. Je suis pas sûre. Je vais faire un test vite fait en créa avec vous, hein. Je vais pas utiliser mon verre. Je vais pousser tout ça et je jetterai les matériaux que je me suis give pour que vous voyez si ça peut être intéressant d'utiliser du verre blanc, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du verre blanc, du verre cyan, du light blue. Ça, c'est de la ice. Ça va fondre si je mets de la lumière, donc je peux pas m'en servir. J'hésite. J'hésite. Bon, celui que j'utilise le plus dans le château, c'est celui-ci. Simplement parce que je trouve que c'est celui qui se marie le mieux avec la glace. Voilà. Mais après. Après, peut-être que je peux utiliser du bleu marine, quoi. Bon, il faut partir du principe que là, ça va être. Que cette partie-là va être ouverte. Qu'elle va tourner et qu'elle va remonter. Ok? Ça va être hyper fin, vachement plus fin que dans le film. Donc, c'est un peu dommage, mais. Je suis pas hyper chaude pour le bleu marine, je sais pas. Je suis pas hyper chaude pour le bleu marine. Oh, quoique, tiens. Ok, il y a un squelette qui a pris feu là. Ah! Oh, laissez-moi remonter! Ok. Ah ouais, non, 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 pas le bleu marine. Je sais pas. Peut-être par petite touche ou. Mais là, comme ça, non. Là comme ça je suis pas fan. Et le light blue. Ah mais je fais que des bêtises. Je suis désolée, en fait, je viens de me réveiller, hein. Donc je suis en mode. Je suis en mode réveil. J'ai encore les yeux qui se croisent. Ouais, on va voir ça comme ça vite fait.
Ouais, le light blue, c'est déjà pas plus, c'est déjà pas trop mal. Je suis plus pour le light blue que pour le bleu marine. Et après, peut-être par endroit, passer sur du cyan. Passer sur du cyan pour éclaircir. Ouais, je sais pas trop comment on va s'y prendre. Et le blanc. Le blanc, c'est pas mal parce que je pourrais jouer ouais, sur les ogives, le blanc. Ouais. Alors, définitivement, on va se servir du blanc. Du blanc et du bleu marine. Du bleu marine. Du light blue, pardon. Du vert blanc, du light blue. Et il faut peut-être que je me refasse un peu de cyan. J'en suis où? Il me reste deux stacks, un peu plus de deux stacks et demi. Ici et là-bas. Je suis pas sûre qu'on en avait utilisé beaucoup la dernière fois. Je suis pas sûre. Non, le vert, non, pas là. Purée, je vais y arriver. Oh, ça va, il m'en reste encore, encore un peu quand même. Je vais vite en avoir besoin, mais là tout de suite, c'est pas une urgence. Je vais déjà aller me refaire du light blue et du blanc. Je vous reprends tout de suite après. Je vais aller à la ferme à squelette pour me faire des colorants et le light blue. Le light blue, tiens. Ce bleu-là, je vais l'avoir avec quoi? Avec du bleu marine et du blanc mélangé? Ouais, ok. Donc bon, faut que j'aille bouffer un peu de lapis. Parce que j'en ai une collection. Je suis une grosse farmeuse. Je vais aller chercher du lapis, de la poudre d'os. Du sable parce qu'au désert j'en ai encore des coffres et des coffres que j'avais farmés à l'avance. Donc on est bon, je reviens. À tout de suite. Alors c'est bon, j'ai été faire tout ce que j'avais à faire. Et regardez, donc j'ai rempli un peu les coffres. Hein. J'ai refait donc du blanc, du bleu, du cyan, j'en ai parfait, mais j'en ai suffisamment je pense. Oui, j'avais farmé dans le Nether. Je suis aller très très loin. J'ai mis des heures à me ramener tout ça. La Silk Touch, merci. Oui, du coup, j'ai pas mal de glowstone aussi. Il faudrait que je passe en bloc. Je suis retournée chercher un peu de pactice dans le coin farmable. J'ai refait un tout petit peu de neige. Et regardez, je suis allée m'emmerder. Allée à la furnacerie. Pour faire cuire des tonnes et des tonnes de sable, pour pouvoir faire des tonnes et des tonnes de verre. Voilà. Et me revoilà, après un plantage extrême, express, de ce que vous voulez, de action. Je viens de perdre environ, je sais pas, je dirais 5-6 minutes de vidéo. Donc, on est content, c'est super. Bon, à savoir que j'ai monté, alors vous ne le savez pas, mais avec vous, j'ai monté les échafaudages et la porte, le départ de la porte d'entrée de l'étage supérieur. Je vous disais donc que j'avais été farmer du sable super loin alors que j'en avais dans mes coffres là. Mais surtout, surtout, ce qui me vient en tête là, c'est que j'ai eu avec vous la discussion que je voulais avoir à propos de la JAPEX et qu'il va falloir que je refasse tout. Donc, on va reprendre du début les news. Les news. Alors, il se trouve que je vous disais que j'avais raté pendant les soldes là. Enfin, les soldes qui viennent de commencer, hein, mais j'ai raté une super occasion d'avoir une Wii U à 135 boules. En gros, chez moi, le Auchan avait une super réduction sur avait une super réduction sur la Wii U et je l'ai raté. Voilà, donc je suis un tout petit peu dégoûtée, un tout petit peu dégoûtée. Et je vous souhaite à vous de ne pas rater cette superbe occasion parce que c'est vraiment pas mal. Alors, il faut savoir que sur les côtés de la porte, je vais avoir des piliers en stain, en white stained clay. J'ai mis à combien d'espace? 2. 2. Donc là, voilà. Ok. Et alors, c'est parti. J'ai fait, entre autres, au niveau des soldes, j'ai pas fait de soldes de vêtements. Et oui, je suis pas une vraie fille. J'en ai très envie. Seulement, je préfère garder mes sous
pour avancer sur mes projets. C'est-à-dire avancer sur mes projets, me payer un ordinateur portable, ce qui était prévu. Ce qui était prévu. Merde! Faut que je décale la porte de... Et merde, voilà. Comment faire du fail en direct? Bon, ce mur-là, c'est pas la peine que je le casse. En fait, c'est... Ouais, bon, on va descendre. Ok, donc ça, il faut que je le décale de 1 vers l'avant, en fait. Voilà, donc... C'est parti. C'était en train de dire, oui. Je ne fais pas les soldes cette année pour la simple et bonne raison que je voudrais avancer sur mes projets. Mes projets d'acheter un ordi portable, d'acheter un Canon 60D pas trop cher pour pouvoir vous faire les vidéos que je fais habituellement en extérieur ou quoi. Et que ça reste potable, parce que je commence à avoir marre de filmer avec mon téléphone quand même. Et puis j'ai des projets de série, alors bon, est-ce que je vous en parle maintenant ou pas? Ouais, allez, allez, soyons fous. Ah! Mais j'arrête pas de me péter les genoux. En fait, je voudrais faire les articles du blog. Je voudrais les faire directement sur la chaîne YouTube, en fait. Voilà. Parce que j'en ai un peu marre de m'occuper du blog. Et puis, surtout que maintenant, avec le temps... Enfin, avec le fait que je divise mon temps entre mon travail et la chaîne YouTube, je pense que... Bon, ça me fera un peu plus de boulot au niveau du montage. Mais ça me plairait d'avoir, entre guillemets, une partie vlog. Plutôt que de m'embêter à... Plutôt que de m'embêter à publier sur le blog, publier sur la chaîne, entre guillemets, tout le temps faire un roulement entre les deux, ça m'agace. Et puis, j'ai plus super envie de tenir un blog, c'est beaucoup de temps. Voilà, donc je sais que je ne mettrai pas le blog hors ligne, je le laisserai comme il est. Simplement, je vais réduire les publications qui sont dessus. Et je trouve qu'il y a certaines séries du blog qui peuvent être super intéressantes. En fait, en vidéo, tout simplement. Voilà. Je vais juste voir si ça choque pas trop, si j'ai du bleu derrière le blanc. Non, non, ça choque pas du tout. Même. Ça me permet même de garder un truc propre. Je suis trop haut. Bim! Voilà pour les news au niveau du blog et au niveau des soldes en rapport avec la chaîne, avec la vie de la chaîne. Et aussi par rapport à cette histoire de soldes, il se trouve que c'est les soldes Steam en ce moment. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le remarquer, puisque vous êtes une petite bande de geeks. Il se trouve que j'ai eu plein, mais alors plein, de cadeaux. Mes potes sont un peu dingos cette année. Je sais pas si c'est pour m'aider sur le départ de la chaîne, mais en tout cas ça me fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. C'est-à-dire que Panda m'a offert un catalogue de jeux assez impressionnant. Clairement, hein, j'ai eu droit à Muffin Knight, Castle Crasher, Bastion. J'ai PH que vous entendez de temps en temps sur les vidéos de la Gogol Team qui m'a offert aussi comment s'appelle ce jeu, Mercenary King, qui a l'air assez énorme, qui me botte énormément. Et je me suis payé moi quelques jeux dont Guacamole, un jeu que j'avais très envie de tester à l'époque quand il est sorti, et je vais me rebicher les genoux, c'est parti, hop là, on va manger un petit coup, voilà. Et après ce sont, alors je me suis dit, putain, mais ces jeux ils ont l'air vraiment cool, je me ferais bien des mini-séries dessus. Alors comme les trois quarts de ces jeux sont en coop, j'aimerais vraiment faire un truc, oulala, j'aimerais vraiment faire un truc au moins sur Muffin Knight, pas sur Muffin Knight, pardon, Castle Crasher et
Et comment il s'appelle cet autre jeu dont j'ai oublié de vous parler, qui est par les mêmes créateurs que Castle Crasher. J'ai un trou de mémoire, là, tout de suite. Battle Block Theater, qui a l'air juste énorme, aussi, qui m'a été aussi offert par Panda. Ça rend pas mal du tout, je trouve. Faut juste qu'on monte encore un peu le bleu derrière. Ouais. Et donc, voilà, je sais pas pourquoi je dis et. On s'arrête là, c'est déjà suffisant. Il faut savoir qu'actuellement, là, je suis en train de vous filmer pas mal d'heures de jeu. Et j'essaie de faire du montage en avance parce que cet été, malheureusement, j'ai énormément, énormément de travail de prévu à l'auto-école. Enfin, de travail. J'ai énormément d'heures de travail de prévu à l'auto-école puisque j'y serai seule. C'est-à-dire que mon employeur part en vacances et que mes formateurs partent également en vacances. Donc je vais pas avoir forcément le temps de tourner et de faire les choses au jour le jour. Putain, il est tombé où ce bloc? En bas? Ah oui. Et du coup, je fais beaucoup de choses en avance. Donc je suis désolée, mais cet été, pour moi, vous aurez des épisodes en différé. Hein. Ce sera pas spécialement des choses que j'ai fait dans la semaine ou dans la journée ou comme je fais d'habitude. Du coup, vous suivrez au fur et à mesure. Hein, vous pouvez pas trop réagir en direct, ou du moins j'aurai du mal à vous répondre. Parce que les épisodes, ça fera un moment que je les aurai tournés et je me rappellerai pas forcément de ce que j'ai fait dedans. Mais au final, ça va pas changer grand-chose pour vous, c'est plus pour moi que ça va changer quelque chose. Voilà. Donc, petit à petit, ça avance quand même ici, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça prend forme. Bon, là, il va falloir que je trouve une parade. Soit je mets encore du quartz à l'extérieur. Ouais, on va faire ça. Bon, je trouvais que ce serait trop étroit, mais finalement, enfin, ce qui va faire une impression d'étroitesse, ça se dit? Ouais, je suis à peu près sûr que ça se dit, ouais. C'est que il va falloir rajouter les rambardes. Alors, je sais pas si je ferai une rambarde extérieure, parce que ça va monter. Ouais, je sais pas trop comment on va faire là. On va tricher un peu, ce sera peut-être un peu étroit par endroit, mais bon. Ça fait un peu bizarre aussi, non? Ouais, bon. Bref, et sinon, alors pour la Japan Expo, moi je vais essayer d'emmener ma 3DS et de la laisser en veille, histoire de croiser un maximum de gens en street pass. Donc si vous avez une DS ou une 3DS et que vous voulez me street passer, bah si vous me croisez, vous aurez droit de voir la tronche de mon superbe Mii, qui est absolument laid, qui ne me ressemble pas du tout. Alors moi je suis pas d'accord pour une chose hein, sur la création des Mii. Quand est-ce qu'on a le droit des trous sur la 3DS? Enfin, quand est-ce qu'on a le droit des trous en tant que Mii tout court? C'est pas juste, hein? Enfin, moi je suis pas d'accord là. Il y a une espèce de rouge à la con là, mais le roux, c'est no way, c'est ça? On n'a pas le droit d'être différent chez vous? Enfin bon. Donc, si vous me cherchez à la Japan, j'ai pas fait de planning encore. Sur où je vais me trouver, à quelle heure ou quoi, donc je suis pas persuadée qu'il y en aura un. Mais de toute façon, enfin vous cherchez Panda, je serai dans les parages vu qu'on va se déplacer ensemble sur la journée du dimanche. Hein. J'y serai pas un autre jour, donc ne me cherchez pas, ne cherchez pas Panda non plus. Il ne sera pas là. Mais on sera présent donc. Au moins la journée du dimanche, parce que c'est un événement aussi pour nous, on a plein d'amis à retrouver. Donc ce sera certainement assez rapide, hein, on vous fera des coucous rapides, mais on sera présent. Donc voilà, si vous avez envie, si vous avez l'occasion de nous croiser, tout ça, le dimanche à la Japan. Moi, j'essaierai de, si j'ai suffisamment de Wi-Fi, j'essaierai de vous tenir au courant. Par Twitter de où je me trouve, donc vous avez toujours en fin de vidéo, vous avez toujours dans les annotations mon compte Twitter
qui est affichée. Donc je vous laisse l'occasion. Je suis désolée, je vous parle et en même temps je m'étire. Oh là là, ça fait du bien. Ah, ah bah bah. C'était un bâillement, oui. Bon. Je suis pas sûre de mon pattern là. Si, ouais, bon. Il faut savoir que pour l'instant je monte. Je monte les murs. Et que le détail va se rajouter petit à petit. Je peux pas, moi personnellement, j'arrive pas à poser mes détails en même temps que le gros du travail. Donc ça avance grossièrement et ensuite plus tard je ferai du détail pour que ça ait un peu de gueule parce que là c'est vrai que bon bah c'est un peu plat quoi. C'est un peu plat quoi. Bon, je vais continuer à avancer hors caméra et je vous reprends après parce que ça fait déjà 20 minutes, je pense, un peu plus de 20 minutes, donc je reviendrai après. Voilà, à tout à l'heure. Alors, j'ai bien avancé. Je suis en train de finir de péter mes échafaudages. D'ailleurs, je l'ai fait maintenant, mais peut-être que j'aurais pu attendre un tout petit peu. Alors. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Je fais attention parce que ma pelle, c'est un peu une mitraillette. Mine de rien. Tac, tac. Tac, 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 tac. On ramasse tout. On ramasse tout. Et... Ok. Alors, il y a juste un truc... Il y a juste un truc qui va m'embêter. Donc, je vous montre où on en est. Voilà. Bon. J'ai fait la façade là. C'est pas mal. Faut juste que j'arrive à ajouter de la lumière. J'ai pas très envie que ça spawn. Logiquement, c'est que des escaliers, donc ça devrait pas spawn. Mais quand même, je trouve que ça va manquer un poil de lumière. Donc je vais essayer d'en rajouter après. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis quand même bien démenée. Ça commence à avoir de la gueule. Et puis là, on a derrière les escaliers qui montent. Le souci de ces escaliers, c'est que ils sont déjà assez étroits là. Enfin, ça va, c'est praticable. Mais pour un château de cette taille, c'est relativement étroit. Et le souci qui va se présenter, c'est qu'en fait, il m'aurait fallu une épaisseur de plus pour faire les rambardes. Pour faire les rambardes tout le long du bord. Vous voyez là. Parce que là, de l'extérieur, c'est quand même pas très joli. Donc, soit je fais passer la rambarde dans la couche de verre là, mais c'est peur que ce soit vraiment très moche. Soit je rétrécis l'escalier encore pour avoir une rambarde. Et je suis pas hyper fan. Enfin, en sachant qu'à cette à ce niveau-là, je pourrais la réélargir l'escalier en ayant la rambarde à partir de là. Donc ce qui nous laisserait 3 blocs, 2 à 3 blocs pour se déplacer dessus. Donc je sais pas. À voir. Est-ce que sur le départ, je rends ça plus étroit? Quitte à ce que dans les coins, on n'ait plus qu'un bloc pour passer la rambarde? Vous voyez, parce que, admettons que là j'ai un bloc de rambarde, là j'ai un bloc de rambarde, là j'ai un bloc de rambarde. Hop, on n'a plus qu'un bloc là pour tourner. Tac tac, et là pareil. Là pareil. Et là pareil. Donc, c'est un peu handicapant quand même. C'est pas... Enfin là, non, là j'ai pillé, donc la rambarde elle n'existera pas, elle viendra peut-être là. Et qu'à ce moment-là, elle reprenne d'ici. Voilà. Et qu'elle monte. Comme ça. C'est pas... Ce sera pas hyper joli. Et ce sera pas hyper praticable. Donc je sais pas. Mais dans un sens, ça donne un côté un peu oppressant. En sachant que quand elle monte à l'étage... Oula. J'ai pété quoi là? Ok. En sachant que quand elle monte à l'étage, en général,
C'est assez oppressant. C'est oppressant. Donc je sais pas. Soit je garde cet aspect un peu oppressif en rétrécissant l'escalier sur le bord et ensuite en le réélargissant quand on arrive à l'étage. Soit je répète tout et je refais tout un bloc vers l'avant. C'est-à-dire, quand je dis tout, c'est l'escalier, la fontaine, les piliers, tout. Donc je pense que je vais tricher. Je vais rester sur le côté. Voilà, c'est pas grave, je vais rétrécir. Je pense que je vais opter pour le rétrécissement. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc voilà où on en est, les petits loups. On va en rester là pour cette fois. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous voir à la JE ce week-end. Et puis j'attends toujours vos petits retours, en sachant que j'avance beaucoup en ce moment sur New Challenge, mais j'aimerais bien aussi continuer à avancer sur la Gogol Team. Faut vraiment que je trouve un autre titre pour cette série, parce que la Gogol Team, ça fait pas très sérieux quand même. J'aimerais avancer sur un des projets que je vous avais proposé il y a quelque temps, c'est-à-dire soit l'île aux pirates. Soit le port, mais le port, je me sens pas de le faire maintenant. Il faudrait que j'arrive à trouver des patterns de bateaux sympas et j'ai toujours pas cherché. Soit je pars sur ma maison au spawn. Voilà. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très bientôt. Voilà. Merci de regarder les vidéos. Et merci d'être de plus en plus nombreux. À l'heure où je vous parle, vous êtes 834, je crois. Et pour moi, c'est juste incroyable parce que j'ai vraiment pas l'impression de faire quelque chose de très intéressant à regarder. Donc, je le fais surtout pour moi à la base. Mais si ça vous plaît, alors bah tant mieux, hein. N'hésitez pas, si vous avez des critiques constructives à faire, il n'y a pas de souci. Je prends toujours les critiques. À partir du moment où c'est bien dit et que c'est pas agressif et que c'est pas méchant, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à vous abonner, et si vous voulez mettre un pouce rouge, bah plutôt que de mettre un pouce rouge, expliquez-moi ce qui vous a pas plu et j'essaierai de pas forcément de corriger, mais au moins de prendre en compte vos avis pour les prochaines constructions. Voilà. À bientôt. Au revoir.